Leur relation force l'admiration. On ne le répétera jamais assez, ce n'est pas tous les jours que des ex restent en aussi bons termes, même s'ils ont eu des enfants ensemble. Entre Romane Bohringer et Philippe Rebaud, séparés il y a déjà plusieurs années, s'y est-il une histoire qui dure. Les anciens amoureux ne manquent d'ailleurs jamais une occasion d'avoir un petit mot gentil l'un pour l'autre, comme l'a prouvé Philippe Rebaud une énième fois dans les colonnes de Paris Match, ce mercredi. Interrogé pour la sortie du film « Trois fois rien » de Nadège Loiseau, le cinéaste n'a pas tari d'éloges sur son ex-compagne. « Je lui dois tellement », lâche-t-il. « Elle m'a donné deux enfants, mais surtout elle m'a porté très haut. Je voudrais que tout le monde rencontre une fille comme ça dans sa vie. Comme Lennon avec Yoko Ono. Et un beau-père comme Richard. Car oui, si Philippe Rebaud ne garde que de la tendresse pour Romane Bohringer, il en va de même pour le père de cette dernière. Au début, il me foutait la trouille, j'étais tétanisé, confiait l'acteur à propos de Richard Bohringer en 2018. Mes enfants sont un peu comme moi. Ils se demandent toujours quand papou Richard va se lever du canapé et dire « Merde, j'ai Neymar. Maintenant, il m'émeut. » J'ai mis sa façon d'être. Sa poésie. Il parle peu, comme un patriarche. Romane Bohringer, sa vie en séparement avec Philippe Rebaud. Le couple qui s'est rencontré en 2004 et a eu dans la foulée deux enfants, Rose en 2008 et Raoul en 2011, vit aujourd'hui ensemble mais séparément. Les deux acteurs habitent en effet deux appartements reliés par un petit couloir, une bibliothèque et les chambres des enfants. Le moyen idéal pour continuer à profiter de Rose et Raoul malgré la séparation. Loading Widget.